Salut à tous, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Witcher 3. Nous allons parler à Valar. Et nous allons essayer de voir ce dont il a besoin avant de nous attaquer à la fin de ses ultimes préparatifs. Au-dessus. Ah, pardon. Il y a encore au-dessus. Gérald. Merci. Margarita et Philippa. Faudrait que j'aille faire un petit tour aux boutiques pour histoire de les ruiner. Histoire de bien les ruiner avec. Ben j'ai récupéré pas mal de stuff à vendre en fait. Pas mal d'épées à leur proposer. Épée de Tirtocher. Oh! Une épée plus puissante que. Et avec deux slots aussi. Après, l'avantage que j'ai sur cette arme, c'est que j'ai des bonus d'expérience. Je sais pas, j'y réfléchirai. Est-ce que ça vaut plus le coup? En donnant à Valar. Salut à Valar! Ça va? Besoin d'un mouchoir? Si je m'attendais à ça de ta part. Vous autres humains avez des goûts étranges. Tout s'est bien passé, ô mon chauve. Tu l'ignores? Tu parles d'un sage? Simple courtoisie. Un concept qui vous a échappé quand vous êtes parti sans pipe et mot. Ciri était pressé. Je sais, l'a précisé dans sa lettre. Mais parlons d'autre chose. Vous avez éliminé Imlérit avec brio. Un brio qui m'a pour ainsi dire... Aïe! Allez, sur qui je dois aller taper? À savoir... La perte d'un de ses généraux a affaibli Eredin sensiblement. Pourquoi il y a un effet de fondu enchaîné? Comment on se débarrasse d'eux? Garantir est un loyaliste. Pour Gaels, c'est une autre histoire. C'était un fidèle dévoué de notre défunt roi. Souverain bien-aimé qu'Eredin a empoisonné. Un régicide, c'est du sérieux. Peu de gens doivent être au courant. Parmi les vivants, moi seul. Hormis Eredin. Oh ! La question est, Gaels te croira-t-il ? Ne t'en fais pas pour ça. Fort bien. Que proposes-tu ? Ma foi, de ramener Gaels et de lui ouvrir les yeux. Excellent plan. Pour peu qu'on sache où le trouver. Nous le savons. Sur les terres des NR. Oh! Et on y va comment? Parce que moi je sais pas où c'est moi. Petit détail. Ciri et toi savaient peut-être comment arpenter les mondes, mais pas moi. Comme tu le sais certainement, il existe de nombreux mondes distincts de celui où nous sommes. Ils sont reliés par des passages, des portails secrets permettant d'aller d'un monde à l'autre. Allez! J'aime pas les portails. Bien sûr, l'existence, et plus encore leur position, reste ignorée du plus grand nombre. Mais pas des sages elfes. Tout juste. Par un heureux hasard, un tel passage s'ouvrira bientôt. Non loin d'ici, entre ce noble édifice et la cour des bouchers. C'est l'occasion idéale. Alors ? Je t'y rejoins. Je te rejoins. J'ai affaire en chemin. Dépêche-toi. Je ne compte pas battre le pavé plus longtemps que nécessaire. Ça va. Bon, c'est pas mal comme idée quand même de retourner finalement. C'est un peu haut ça? Si. Ça avait l'air un peu haut. Mais je me suis rendu compte quand j'ai appuyé sur B. Voilà. C'est pas grave, c'est la mort de l'épisode. Il fallait une mort par épisode. Non, ça en vrai, c'est pas vrai, mais. Dans tous les cas, on l'a.
à travers le temps et l'espace. Il y a deux musiques qui se superposent, c'est assez bizarre, je trouve. N'empêche, classe la chambre de luxe du cabaret. Comment il s'appelle ? Je vais poser celle-là au cas où, parce qu'elle m'a l'air pas mal quand même. Après tout ça, c'est de la merde. Ça n'a rien à voir avec mon arme améliorée. Mais apparemment, je peux encore. Vous allez voir, il me semble que j'ai encore de quoi. École du chat partie 3. Donc bon, moi je sais ce que je vais faire en off. Hein? Puisque j'ai débloqué la partie 3. Elle est dans le rouge, je crois. Il y a deux niveaux. Justement, je voulais le rejoindre après avoir vendu toutes mes conneries. Ah. Histoire de faire un peu de couronne. Mais voilà, je veux dire, moi je sais que je vais peut-être aller chercher les derniers schémas de l'école du chat. C'est bien l'école du chat que j'ai. Voilà, l'école du chat. On en apprend les choses avec des pinces. Salutations, Ebet. Bonjour, Gérald. Montre-moi ce que tu as à vendre. Oh, c'est quoi ces flèches-là? Des carreaux explosifs. Tout bien. Merde. Ah bah attendez, dès que j'y suis, réparé. Réparé quand je retourne nu. T'es là, il a du pognon lui. Non. Ça va me coûter à moi par contre. Ça tu touches pas s'il te plaît. Ça, j'ai envie de dire, c'est ma personne, c'est à moi. Te réparer. 126 couronnes. Ça va. Ok, merci. Adieu. Du coup, je peux y aller. On va aller retrouver Avalar et on va aller à travers le temps et l'espace. Et du coup, on va aller sur les terres elfes. Ça va être. Enfin, ça peut être cool quoi. Découvrir une nouvelle zone. Nous ne pourrons pas explorer éternellement. Ah, vraiment, il va falloir que je sois assez curieux. Si jamais il y a une certaine zone explorée, il faut que je fouille bien toute la zone. Parce que ça sera peut-être pas un endroit que je pourrais aller facilement. Je connais cette maison. J'étais censé expulser un silicone. Censé? Je l'ai jugé inoffensif. Ah! Merde. Ne me dis pas que j'ai fait le con. C'est toi qui as la place. N'oublie pas qu'on me tire les cheveux. L'un ne va pas sans l'autre. Alors j'en. Le portail est ici. De l'autre. Oui. Ah. Nous y sommes. Je n'aime pas les portails. Une fois entré, ce sera sans retour jusqu'à avoir trouvé Gaëls. Tu es prêt? Oui, allons-y. N'oublie pas, où que tu atterrisses, cherche un endroit similaire à celui-ci. Nous nous y retrouverons tôt ou tard. Nous allons être séparés. C'est possible. Je n'ai pas le talent de ta fille adoptive. Zyréel est la dame de l'espace et du temps. Ma maîtrise de ce savoir hermétique est plus limitée. L'heure est venue. Ouais, en fait, t'es surtout un prof, quoi. T'es très bon théoricien, mais pas forcément très bon praticien. Je hais les portails.
Contrairement à Siri, qui est apparemment une très bonne praticienne par son don naturel, mais une très mauvaise théoricienne. Ah oui, attends de voir si les développeurs ils sont lâchés. C'est tout ce qui est graphisme. Ouais. Bon. Où sommes-nous? Bienvenue dans le désert de Diddy-Way. On est quelque part dans notre monde? Tu as déjà vu un canyon pareil dans notre monde? Viens, il faut y aller. Quel est cet endroit? Un monde étrange qui a été violé puis détruit. Ah! Il y a des formes de vie ici. Essentiellement des créatures du désert capables de survivre des mois sans eau. Oh, et des vers des sables enfouis sous la surface. Nous devons éviter qu'ils remarquent notre présence. Et avant, ok. Il y avait des gens, des elfes. Tu t'imagines que détruire des mondes est l'apanage des êtres humanoïdes? Dans ce cas, qu'est-ce qui vivait ici? Des monstres intelligents? Regarde ces falaises. Elles te rappellent quelque chose? On dirait le lit d'un fleuve gigantesque. Ou un fond sous-marin. Tu veux dire que des créatures aquatiques vivaient ici? Ouais, c'est chiant, t'ailles plus vite que moi en marchant. Simplement la mer. Tu veux dire que... Qu'il existe une infinité de mondes différents, et tout autant de formes de vie. La plupart sont intelligentes, bien plus d'ailleurs que vous, les humains. Merci. Mais cela ne les a, semble-t-il, pas empêchés d'épuiser les ressources naturelles de leur monde, jusqu'à la dernière goutte. Génial! Je suis assez enthousiasmé. Le portail. On dirait plutôt une ruine. Les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce qu'on attend dans ce cas? Qu'il s'ouvre. Ça ne devrait plus tarder. Qu'est-ce qui se passe? Les vers des sables ont senti notre présence. Génial. Un coup de main. C'est pas ce à quoi je m'attendais, à vrai dire, avec les vers des sables. Je voyais plus des vrais vers de sable en fait, mais. Ouh! Je ferai un coup avant de sauter. Ce droit est déjà un peu plus joli. Ah, le voilà. Ces fumerolles ne me disent rien qui vaille. Bon sang, je vais devoir retenir ma respiration. Un peu plus et j'étouffe. Bon, moi l'avantage c'est que ça peut être un monde différent. Dans l'idée, il y a quand même des trucs. D'énergie. Je devrais y puiser. Oh putain, c'est dégueu. Si entre tous les mondes il y a des sites d'énergie. C'est quoi ça? On dirait une espèce de. Genre ça ressemblerait à un bruit de dragon. Oh putain, le souffle s'est barré à une vitesse. Il faut éviter ces nuages ou les traverser d'une traite. La vache. Je sais même pas si c'est par là qu'il faut que j'aille.
Holy shit. Plus je peux éviter ces trucs, plus ça me va. Phew. Côté traversé avant de me voir arriver un requin gigantesque monstrueux de la mort. Il fait froid. Je vais geler sur place si je ne trouve pas l'abri. Il faut que je trouve le portail suivant. Cinquième essence. Quoi, il y a du fil de fer ici. Comme si je sais pas réellement où je dois aller, quoi. Techniquement, je dirais en bas, mais c'est même pas sûr. De la lumière, ici, quelqu'un a dû l'allumer. Avec un peu de chance, ce quelqu'un est un sage elfe grincheux. La neige a atteint le niveau des toits. Je me demande depuis combien de temps dure ce blizzard. Bon. Très bien, il n'y a plus rien pour me couvrir. Je vais juste crever là. Ok. Là, je commence à me poser des questions sur comment j'y vais, vu que j'ai plus rien pour me protéger. C'est que le signe de Quen m'aide un peu. Il remet qu'un peu. Merde, j'ai oublié qu'il y avait que du fil de fer ici.
Tiens. Mais ça doit être habité, ça a dû être habité par des êtres humains ici, parce que pour trouver des composantes plus classiques. De la lumière. Avec. La neige a atteint le niveau des toits. Demande depuis combien de temps dure ce blizzard. Qu'il y a des endroits où je suis à peu près safe. Oh là, c'est tellement long. Je fais un truc nutritif pour une fois. Ah, attendez. J'arrive à gratter des passages à l'intérieur là. Plutôt positif. Ouais bah allez vous faire foutre. Phew. Tu en as mis du temps. Tu as eu des problèmes? Non. J'ai juste profité du paysage. Quel est cet endroit? J'ai l'impression d'être déjà venu ici. C'est le cas. C'est là que tu as affronté la projection d'Erini. Et avant ça, Ciri s'est battue ici. Pour toi. De quoi est-ce que tu parles? Ah bon? Tu t'es déjà demandé comment tu étais parvenu à échapper au cavalier bourg. À de nombreuses reprises. Mais je ne me souviens de rien. Ciri est venue te chercher. Elle a senti que tu étais en danger. T'as libéré de l'emprise de la chasse. Puis t'as déposé dans les bois près de Kaer Morhen. Putain ! Eredin s'est lancée à ses trousses à cause de ça. Par ma faute. Pourquoi n'en a-t-elle rien dit ? Qu'est-ce que cela aurait changé ? La lumière au sommet, c'était toi ? J'ai pensé que cela faciliterait ton voyage. Après tout, c'est à cela que servent les phares. T'as raison. À donner le cap. J'espérais qu'on ne serait pas séparés. Je t'avais prévenu que cela risquait d'arriver. Et où ton périple t'a-t-il conduit? À travers un monde où le soleil venait de mourir. J'ai atteint le passage suivant de justesse. Ah! Super! Et moi, si j'étais tombé sur ça, je devais me démerder aussi, je suppose. Suivre Gael, c'est riche en rebondissements, mais j'ignore toujours pourquoi on se donne tous mal. Eredin diffère du roi qui l'a auxi. Seul le pouvoir l'intéresse. Il n'a guère de patience pour la bureaucratie. Il passe le plus clair de son temps en selle à la tête des cavaliers pourpres. De qui a-t-il besoin à la capitale? D'un vice-roi efficace. Gael, c'est un excellent gestionnaire, doublé d'un comploteur hors pair. De tous les NL, c'est le plus dangereux. Ouh! Et pourquoi? Quelques faiblesses? Oui. Il est vertueux. Mais si c'est un comploteur,
À l'instant où tu lui révéleras la vérité, pourquoi est-ce que son côté comploteur va pas revenir pour venir nous rejoindre et puis on se fout de la merde? Dans tous les cas, je suis sûr qu'on va dans la fontaine, mais... Où sommes-nous? Dans le monde des NL? Non. C'est Ed Deireal. Le dernier âge. Le temps de la fin. La destruction du monde par le froid blanc. Hélas, c'est le sort qui nous attend tous. À différentes étapes de notre vie. Tu balances ça avec un calme. Eredin a succombé à sa conscience aiguë de l'apocalypse. Il vit gouverné par la peur. Je ne commettrai pas la même erreur. Mmh. Développe. Le moment est mal choisi. D'accord. Bah on y va alors. Cet endroit n'a pas l'air très sûr non plus. Ne traînons pas. Par ici. Le prochain portail. Quand s'ouvrira-t-il? Sous peu. Oh. Très bon théoricien, je dirais même. Tirnalia. Enfin, c'est Tirnalia, le palais de l'éveil, ex-palais de la lune et quartier général de Géhenne. Ok. Je pense qu'on va devoir violemment se mettre sur la gueule. C'est joli. Il n'y a aucune raison de s'attarder. Oui, il n'y a aucune raison de s'attarder. Allons-y. C'est pas mal. Il n'y a aucune raison. Une humaine? Ah non, quoique... Oh non, c'est une elfe. Qui sont ces gens? Que cherchent-ils? Ce sera tout pour aujourd'hui, ma tulipe. Sois gentil, laisse-nous. Car j'imagine que cette affaire ne regarde que nous, n'est-ce pas? Clevan Espan Eb Kaoman Maka est le sorceleur de Rive. What? Mon nouveau modèle vous plaît? Elle a quelque chose de Lara Doran, n'est-ce pas, Clevan? La taille, peut-être. Rien d'autre. J'ai dû toucher un point sensible. Changeons de sujet, voulez-vous... Oula, attends, mais t'es notre pire ennemi, tu travailles pour la chasse sauvage. Et tu nous accueilles comme ça? Ça me va. Vous avez de la vodka? Ah, j'oubliais que vous ne touchez pas à cette chose immonde. Je dois admettre, vous voir ici est une vraie surprise, sorcière. Curieux tandem, en vérité. Croyez-vous sincèrement, Cavalard, je prends jeu. Je suis curieux. Non. Non, mais l'honnêteté, vous autres, ça fait deux. Cessez donc de cracher votre fiel. Ça ne vous mènera nulle part. Je crois déceler un voile d'impatience sur vos visages. Bien. Que me vaut le plaisir? Je viens te révéler qui a tué notre roi. Vous vous êtes donné bien du mal pour m'atteindre. Ce qui me pousse à croire que ce mensonge est tout aussi élaboré. Nous allons te montrer la vérité. En rêve. Vous avez un oniromancien? Ah bon? Mon intuition était fondée. Cela promet. Croyez ce que vous voudrez. Par ici. Geralt de Rive, le parfait homme d'action. Puis-je savoir où nous allons? Dans le monde des Ensaid. Directement, cette fois. Ah, pas de portail de merde. Et tu nous suis. Ok, alors par contre... Ta peinture, ça ressemble à du Picasso, on va dire. Bon, voilà, merde, moi je veux pas être décidé, je veux pas être méchant ou quoi que ce soit, mais c'est pas, voilà, c'est... ça ressemble à du Picasso, quoi. Ça a son public, mais pas moi en tout cas. Que
C'est bien lui qui faisait le... Comment ça s'appelle le truc des... Le cubo, le cubomorphisme. Oh, qui dessinait avec des, en fait, avec des trucs très rectilignes, sans courbe. J'ai une mémoire de merde en ce moment, c'est dingue. Je ne crois pas utile de présenter notre ami. Salut. Salutations, Zyréel. Ainsi donc, c'est vrai. L'hirondelle s'est entichée du renard. Rien de ce que vous direz ne sèmera la discorde entre nous. Avalar vous a fait chanter, l'auriez-vous oublié, afin que vous réchauffiez la couche du roi. Il a traité votre corps comme un morceau de viande. Je n'ai pas oublié. Pas plus que ce que vous avez conseillé à Eredin de me faire quand il me tiendrait. Ou ce que les cavaliers pourpres ont fait à Kaer Morhen. Je ne suis pas venu ici pour ergoter. Cette fameuse preuve, où est-elle? Tu la verras. En rêve. Ah oui, l'oniromancie. Ces visions sont impossibles à trafiquer. Suis-je censé assister au meurtre du roi par Eredin? Et après? Devrais-je lever les NL contre Eredin? Appeler à la révolution? Asseoir Avalar sur le trône? Nous, tu feras comme tu veux. Vous ferez comme bon vous semble. Si vous souhaitez continuer à servir le régicide, parfait, je ne serai pas surpris. Fort bien. Que votre oracle invoque en rêve les derniers instants de mon roi. Nous ferons tous ce rêve, afin de dissiper tout malentendu. Pourquoi pas? Wow. Le roi est mort. Vive le roi. Hein? What? Vous devez affronter à vos conditions. Dans ce monde, en un lieu choisi par vous. C'est votre seule chance. D'accord. Gagnez Skellige et trouvez la pierre de soleil. Elle vous permettra d'invoquer le Nagle Phare. Eredin viendra lui aussi. S'il appelle des renforts, nul NL ne répondra. Ah! Tu as fait ce qu'il fallait. Un nouveau portail vers Tir Nalia va s'ouvrir. Une fois que je l'aurai stabilisé, tu pourras rentrer. Suis-moi. Ils sont bizarres, les elfes. C'est quand même deux ennemis, là. Et... Drôle de diplomatie, quoi. Enfin, je sais pas moi. Il a très bien pu bluffer. Il a pu dire ça pour qu'on le laisse partir. Bon sang, on aurait dû le faire parler. Calme-toi. Avalar le connaît mieux que nous. Il nous dira tout à son retour. Quand on parle du loup... C'est moi le loup blanc. Il pense qu'on a laissé filer Gaels trop facilement. Je préfère les excès de prudence. Je suis d'accord. Toutefois, je pense que Gaels tiendra parole et refusera son soutien à Eredin. On dirait que tu as un plan. Tu nous mets au parfum? Quand nous aurons trouvé la pierre de soleil, grâce à vos magiciennes et leur magie, nous attirerons le vaisseau d'Eredin vers une baie, le long de la côte d'Unvik. Là, nous lui tendrons une embuscade. À l'arrivée du roi de la chasse, nous lui tomberons dessus.
Comme ça. Vaincre Eredin relève de l'exploit. Mais nous y parviendrons. Et parce qu'on a... Trouvez les magiciennes de la loge et retrouvons-nous au port. Puis cap sur Skellig. D'accord. Comme ça. Ça a l'air facile. Lol. C'était plus fort que moi. J'avoue que ta petite affaire a bien la curiosité. Je n'ai pas gardé que des bons souvenirs de mon ami. Pareil, oui. Certaines personnes m'ont aidé et d'autres, un peu moins. Je tiens à régler mes dettes. Tu m'accompagnes ? Après toi. Allons-y. Nous devons nous rendre sur l'île du Temple. Tu t'intéresses à la religion maintenant ? Non, pas vraiment. Allons-y. Tu vas aller défoncer tous ces mecs ? On y est presque. Je peux savoir où on va ? Rendre visite au petit bâtard. Il est mort. Rodar, il est mort. Zoltan m'a pourtant dit que je le trouverais sur l'île du Temple, bel et bien vivant. Pas depuis que je lui ai planté mon épée dans le ventre. T'as du mal visé alors. Il a repris des forces. What ? Tu peux me dire pourquoi tu fais ça ? Je veux le regarder dans les yeux. Et après ? Le tuer. Je sais pas. Ça dépendra de lui. Moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode apparemment on va régler quelques comptes hein. Finalement on va prendre un peu plus de temps avant de partir affronter Eredin. On va s'occuper des connards qui sont d'abord sur notre monde avant d'occuper des connards qui sont dans les autres. C'est parti. À partir de maintenant, je vais pas te quitter. Foutez-moi la paix vous là, bande d'enculés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très vite. Et je vous dis ciao les gens.